c'est pas glorieux ma première expérience. Ça serait au poulet frit Kentucky. C'est pas devenu un resto végétarien pour rien, je pense. Mais sinon, c'était ça, ouais. En restauration, c'était ça. C'était un drôle de détour, comment je suis arrivé à ouvrir un restaurant. Moi, j'ai une formation, je suis plombier de base. Puis je me suis tanné de travailler à l'intérieur. J'ai resté vraiment longtemps sur une ferme avec des maraîchers, puis il y avait des handicapés en réinsertion, puis il y avait une cabane à sucre abandonnée, là. Puis je me suis dit, ben je vais essayer de faire du sirop. Puis là, ça fait comme 15 ans que je fais ça, mais à l'ancienne, plus que d'autres choses, là, avec des chaudières chauffées au bois. Puis c'est une production surtout pour le restaurant, en fait, là. Ouais, ouais. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. T'sais, toutes les régions sont vraiment différentes. Puis aussi, entre les. T'sais, vu que moi, c'est pas tout mélangé ensemble, que c'est chaque jour je fais mon sirop, puis j'ai un système au bois, le goût est vraiment différent, là. Puis même la technique d'empotage, vu que nous, on met pas ça dans des barils pour mettre ça après ça dans des cannes, on les met ça dans des pots de verre. Fait que les goûts sont vraiment plus prononcés, là. En fait, les gens, souvent quand ils goûtent mon sirop ici, ils s'étonnent parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas goûté comme ça. Fait que c'est ça, vu que c'est pour la production ici, je peux faire de quoi de plus artisanal, là. Puis aussi, mon sirop va goûter des fois un peu plus la fumée. Parce que justement, il n'y a pas d'osmoseuse inversée. C'est vraiment juste au bois. Fait que des fois, c'est plus long. Puis ça dépend aussi des journées. Si, mettons, je vais faire un sirop très tôt ou très tard dans la saison, le goût va être différent, là. Puis ça, c'est toujours la surprise du client quand il arrive. Des fois, j'ai plusieurs cuvées, puis les gens peuvent même déguster dans le restaurant, là. Moi, je suis végétarien. Pas vraiment de choix, de santé, depuis que j'ai 17 ans, 16-17 ans. Puis j'étais un peu orphelin. De la cabane à sucre, dans le sens qu'il n'y a rien pour quelqu'un qui ne mange pas de viande là-bas. Fait que j'avais vraiment enlevé ça de ma tête. J'avais arrêté d'y aller même un peu à contre-cœur, là, parce que au printemps, ben, on est Québécois, c'est ça qu'on fait, là, si on va à cabane à sucre. Fait que, mais en tant que végétarien, à part les patates, on peut se faire à croire que c'est fait dans l'huile de canola, mais sinon, tout est fait à la viande. Puis j'étais sur une ferme maraîchère. Je travaillais à faire pousser des légumes. Puis je voulais me partir à ma propre ferme, comme tout le monde qui travaille sur des fermes, mais j'étais vraiment conscient des défis que ça prenait, l'entrepreneurial et tout, de faire de l'agriculture. Puis je suis allé à une cabane à sucre avec des amis, puis je savais même pas qu'elle était végétarienne, ça s'appelait la Pause Sylvestre. Puis eux, ils faisaient tout pousser leurs légumes, puis c'était un repas de cabane à sucre végétarien, familial. T'sais, on mangeait avec le propriétaire, puis sa femme, puis ceux autres qui faisaient la bouffe, qui faisaient le sirop. Fait que vraiment, l'inspiration m'est revenue de là parce que j'allais partir une ferme maraîchère. Puis je suis revenu dans la région des Laurentides. Puis à la ferme où je travaillais, j'ai dit, regardez, il n'y a pas de problème, je vais continuer à travailler pour vous. Je vais faire des légumes avec vous tout l'été. Puis au printemps, moi, je vais faire ma cabane à sucre. Fait que c'est comme ça qu'est venu le concept aussi. Puis beaucoup de recettes aussi que j'ai inventées au travers, là, essayer de copier le menu de la cabane à sucre. Mais avec le souci aussi d'être local. En fait, il n'y a aucun ingrédient qui ne vient pas du Québec à part le sel et le millet. Puis j'y travaille au fil des années à essayer de trouver des alternatives locales. Parce que souvent, les trucs végétariens, c'est souvent des trucs californiens ou qui viennent un peu partout là, dans le monde. Fait que j'essaie vraiment de ramener ça le plus local possible. Et là, je vais faire mon tempeh, qui est du tempeh de pois jaune, fait ici à la Belle à Symbiose Alimentaire. Fait que je coupe mon tempeh comme ça ici en petits morceaux. Puis après ça, je vais le faire revenir dans le poêle avec des oignons. Puis quand il va être bien saisi, je vais rajouter sirop d'érable, cœur de kimchi. Avec vinaigre de cidre de pomme. Tout est bio là-dedans, c'est sûr. Là. Ça a le look d'une omelette. Mais le goût, on est vraiment ailleurs. Là. On est vraiment plus dans le curcuma, gingembre, ail, cayenne. Puis c'est un de mes gros. Au début, je l'ai servi en me disant, bon, on verra ce que ça fait. Côté cabane, côté omelette, puis vraiment les gens l'adorent, là. C'est vraiment une recette qu'ils me demandaient souvent. Parce que le tempeh, proprement parlé, souvent c'est plus quelque chose d'indien dans la cuisine indienne. C'est quelque chose qu'on commence à découvrir, mais qui est une super alternative au tofu. Là. En fait, moi j'ai une cabane à sucre végétarienne, je mange pas de viande, mais même le tofu ça me fait pas. Ce légumineuse me rend malade, fait que je suis végétarien depuis une vingtaine d'années sans manger de tofu. Là. Fait que.
Fait que c'est ça. Et ici, j'aurais dû partir le four avant. Un peu d'huile de tournesol. On va attendre un peu que ça lève. Après ça, je vais préparer ma petite sauce. Fait que là, après ça, j'ai mon cœur de kimchi, qui est en fait chou, carotte, daikon, ail, gingembre, curcuma. Fait que j'ai ça ici, que je mets ça avec, avec mon eau et mon vinaigre de cidre. Rajouter un peu de sirop. Fait que c'est ça ici. Fait que ça, je peux attendre. Puis, fait que ça, il faut attendre que ça chauffe. Là. Après ça, ça va être une mixture à mettre par la suite. Moi, j'ai construit la maison, là, premièrement. Là. Il n'y avait rien. J'ai construit la cabane de toute pièce, là, en chambre et tout. Là. Mais quand je suis arrivé ici, non, il n'y avait pas de cabane à sucre. En fait, je cherchais dans la région une place qui aurait une érablière. Puis les érables étaient là, mais ils n'avaient jamais été entaillés, là, à part par l'ancien propriétaire, là, 5-10 ans. Fait que j'ai vraiment tout implanté aussi, la cabane à sucre, construit le bâtiment derrière et tout. Là. Puis c'est une cabane à sucre, c'est une érablière assez sportive. Là, c'est dans la montagne, ça monte, ça descend. C'est à Chaudière, il n'y a aucun moteur d'impliqué dedans. Là. La cabane à sucre en tant que telle, le restant de l'année, c'est ma maison. Puis je la transforme en restaurant. Puis mes employés qui sont avec moi, c'est mes amis. Puis c'est des gens avec qui je fais pousser des légumes ou qui sont impliqués de près ou de loin dans le restaurant. Fait que c'est vraiment un contact vraiment chez l'habitant, là, si on peut dire. Là. Mais fait que c'est ça. Fait que oui, c'est une cabane à sucre que j'ai transformé le menu. Végétarien, mais moi, ce que je suis surtout fier, c'est vraiment le côté local. Que ce soit la farine, les huiles, le vinaigre de cidre, c'est tout bientôt du Québec. Je connais tous les producteurs, le miso, le tempeh, les choucroutes sont faites ici. Tous les légumes viennent de même pas un kilomètre d'ici. C'est moi qui fais pousser avec les jardins sans pépins. Le défi, c'est peut-être de mettre le monde en confiance, en fait. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici. Souvent, le classique, c'est le végétarien qui amène sa gang. Il y a un végétarien, il y a 9 omnivores qui viennent un peu de reculons. Fait que moi, je te dirais, c'est vraiment au fil des années, c'est d'informer les gens que c'est pas juste un repas de cabane à sucre, c'est vraiment quelque chose de local. Puis parce que c'est ça, les gens qui sont végétariens, qui viennent ici, sont tellement heureux de pouvoir, en fait, dans un restaurant, tout manger. Que, en fait, l'option végane ou végétarien, c'est pas juste une option, c'est juste ça. Là. On n'a pas besoin de regarder nos plats, regarder où je peux-tu prendre ci, je peux-tu prendre ça. Puis pour les omnivores qui sont vraiment, vraiment sur le frein quand ils arrivent ici, parce que des fois, c'est ça, c'est les gens, ils subissent leur amis qui viennent. C'est de leur souvent, c'est mes meilleurs clients parce qu'ils viennent avec aucune attente puis ils font « OK, c'est bon, là, c'est pas ça sera pas juste une salade de kale avec du quinoa. » Non, non, c'est un repas de cabane. On sort de là plein. C'est juste qu'au lieu de digérer pendant une semaine sur le divan, ben l'après-midi, on est capable de fonctionner. Là. C'est un gros repas, mais il n'y a pas tout le gras qui va avec. Là. Puis ça, pour le sucré, bien, ça, le monde, c'est à volonté. Fait que il y en a qui se font des soupes au sirop d'érable là, au travers. Là. Le truc de l'adapter, c'est pas tant un problème côté culinaire, parce que de l'imagination, j'en ai. Il y a des gens qui l'ont fait avant moi, je peux m'inspirer d'eux et tout. C'est plus le côté les mœurs à défaire là, du végétarisme, là, que c'est plate ou que ça goûte à rien. Ou, Juste pour la petite anecdote, les premières années, j'étais végétarien, mais avec des œufs. J'étais pas assez confiant pour faire une recette, pas d'omelette en fait, pas d'omelette avec pas d'œufs. Puis je vidais les poulaillers du coin. Fait que c'est pour ça maintenant je suis rendu, je fais des omelettes de tempeh, puis je fais mon propre tempeh des fois, puis sinon je le fais avec Symbiose Alimentaire. Fait que lui, je suis capable de commander d'avance, mais c'est beaucoup plus facile justement en faisant faire à des trucs localement. Puis pour la fraîcheur aussi, chapeau à tous les restaurateurs là, qui font que les gens commandent puis font des trucs sur place. Moi, au moins, quand les gens arrivent ici, c'est à volonté, mais j'ai un menu que j'offre par saison. Fait que c'est beaucoup plus facile pour la préparation. Fait que ça, j'aime beaucoup mieux travailler avec le tempeh qu'avec le soya, parce que, un, je peux en manger sans que ça me crée de problème, mais aussi, c'est tout le côté que ça vient d'ici. Tu sais, souvent, le soya, oui, il a poussé au Québec, mais il a été faire un petit tour en Chine puis au Japon avant de revenir ici. Mais là, le tempeh que j'ai ici, il a été transformé à la belle par mon ami Julien, puis il a poussé à Kiamika. Dans le coin de Mont-Laurier, fait que c'est vraiment ultra local, puis il y a zéro emballage d'impliqué
dans cette recette-là. Là, ça, quand c'est rendu comme ça ici, on rajoute le mélange. Puis on peut le laisser un petit bout de temps pour l'évaporer. Puis aussi, le tempeh, il va boire contrairement au soya. Le soya est comme très, très, très spongieux, puis il goûte rien à la base. Puis il faut vraiment le faire mariner longtemps. Ce qui est le fun avec le tempeh, c'est que il va boire, au contraire. Fait que j'ai pas besoin... Oui, je peux faire mariner mon tempeh longtemps d'avance dans une saumure, dans quelque chose. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que je peux juste cuire, puis rajouter une sauce à l'intérieur, puis il va vraiment la boire quasiment immédiatement, là. Les trois dernières saisons, le printemps, le temps des sucres, les rassemblements, mon concept est voué à changer là, avec les dernières années qu'on a vécues. Mais non, je te dirais que je me sens en restauration, mais j'ai la chance de pouvoir le faire trois mois par année parce que je trouve ça vraiment, vraiment vaillant, ceux qui le font à l'année. Là, surtout, je me suis enlevé beaucoup de complications de restauration. Comment que ça va évoluer? Je ne sais pas. Ça dépend vraiment à qui qu'on demande. J'ai l'impression que les grandes chaînes s'en sortent bien avec le take-out et tout. Il y a comme une pénurie de main-d'œuvre aussi. Fait que j'imagine que les restaurants vont être de plus en plus familiales, j'imagine. Ceux qui ont vraiment la passion de faire ça vont vraiment diminuer leur effectif, downsizer leur entreprise pour pouvoir faire quelque chose de plus personnalisé. Peut-être, malheureusement, peut-être un peu plus cher, un petit peu plus niché, haut de gamme. Et voilà. Ça, c'est mon tempeh. Fait que, haché plus fin, ça a vraiment l'air d'un œuf brouillé. Fait que côté look, on peut être là si on se retourne vite, puis on éternue, on pense une omelette. Mais sinon, sinon c'est ça pour l'œuf de tempeh. Puis pour le goût, là, vraiment, là, le monde, là, c'est vraiment mon gros hit. Là. C'est avec une petite touche de sirop là, en plus, là, c'est. Le monde en redemande. Et voilà! j'aime ça quand les gens partent d'ici puis qu'ils me disent merci, qu'ils sont inspirés. Puis moi, je continue à leur dire que c'est possible. En fait, moi, je suis un petit gars de la ville qui voulait faire les trucs écologiquement autrement puis un peu à contre-courant de gros, plus rapide, plus gros tout le temps. Là. Fait que moi, si les gens partent d'ici puis ils disent « Hey, j'avais un projet depuis longtemps où je voulais faire ci, je voulais faire ça puis je le faisais pas », ou qui ont le goût justement de s'approprier plus la nourriture locale ou le terroir, puis surtout faire ce qu'ils ont le goût de faire, parce que moi ici c'est assez transparent dans le sens que j'invite les gens chez moi dans ce que j'ai bâti, dans ce que j'ai fait, puis quand les gens ça les inspire, puis ils disent « Ah, Colin, d'un coup je vais avoir fini de travailler dans un job que j'aime pas, je vais faire ça », puis ils disent « Non, fallait là, c'est... on n'a rien qu'une vie, puis si on attend tout le temps que toutes les conditions soient là pour partir de quoi, ça marchera pas ». Fait que c'est ça, moi, si je peux inspirer les gens à ça, puis que, comme tous les autres qui m'ont inspiré à faire qu'est-ce que je suis rendu aujourd'hui, puis ce que j'aime faire.